Et bonjour à tous, c'est Kimer9 pour ce nouvel épisode de Need for Speed 2015. Et aujourd'hui, nous allons défier les flics avec notre voiture de moins de 200 chevaux, c'est-à-dire la Mazda RX-5. Que l'on va prendre là tout de suite maintenant. Et nous allons donc sortir du garage. Alors nous sommes vraiment là sur la toute fin de Need for Speed. Il ne manque plus que lui et une grosse épreuve avec tous les autres, me semble-t-il. Une très grosse épreuve, la dernière de Need for Speed. Ça risque d'être assez énorme. Et je pense que cette épreuve va être faite avec la bête. Je pense que ça pourrait être pas mal du tout. Qui c'est ce mec devant là? Ah. Une Mazda RX-7? Non, pas du tout. Une RX-5. Ouais, bah écoute, MX-5, c'est une bonne voiture aussi. Il nous faut trouver les flics, tout le monde. Alors, on n'a pas la voiture la plus rapide. Ça, vous l'avez compris. Forcément, hein, moins de 200 chevaux, elle n'a pas vraiment été améliorée. Donc bon, on va faire avec. Ah oui, mince, attends. Le défi, c'est quoi? 5 minutes. Ça marche. Flic ou pas flic? Non. Bon, et ben je pense que là on est en train de voir la phase la plus chiante du jeu en fait, trouver les flics tout simplement. On va bien réussir à un moment à les avoir. Ah. Allez. Parfait, maintenant il nous faut durer 5 minutes. Alors et bah écoute, 5 minutes avec une Mazda. Franchement cette Mazda je la trouve vraiment sympa. J'aimerais honnêtement la voir in real life. Mais pas en rouge par contre, peut-être en noir, voire blanc, ça pourrait être stylé. Après vous me dire, oh une Mazda MX-5, ouais mais une Mazda MX-5, c'est toujours classe quoi. Ça. J'ai besoin d'avoir une nouvelle voiture les gens. Donc, ouais. Bon écoute, moi je vais faire ça. Je suis tellement pas puissant et pas rapide que, bon voilà quoi. Hop. Ah non! Yop là! Ah non! Parfait! Et moins de 200 chevaux quand même. Faut pas trop se chier. Faut pas trop se chier. Alors, au pire, on peut essayer de ruser un peu en bloquant le flic comme ceci. Allez, accélère. We'll be right back.
Non. Allez, on y est presque. Enfin, on est presque à la moitié. Mais je pensais que le bot allait un minimum esquiver. Allez, 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 on peut le faire. 5 minutes. Exactement 5 minutes. Je finis Need for Speed. Dans 5 minutes. Non, il reste encore pas mal d'épreuves. Et puis je vous rappelle que je compte faire le jeu à 100%, donc tous les succès vont devoir y passer. Toujours là le flic ? Ouah, ils sont trois. Bon, on va faire gaffe maintenant les gars. On va faire gaffe, on va rester concentré. Hein. Il y a eu un accident. Allez, vas-y, accélère. Allez, 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 allez. Putain, après, il va falloir les semer. Allez. Allez, on y croit. Sauf Mimi qui m'a dit que j'allais me chier. Mais après, c'est pas trop grave. Allez, allez, allez. Attention le terre-plein, ok. 5 minutes les gars, 5 minutes, on fonce, allez. Maintenant, pour l'avoir, tout simplement, faut piéger l'IA. L'IA ne sait pas tourner dans le jeu, ne sait pas faire de dérapage. L'IA est une merde, clairement. Il nous faut prendre de bons gros virages bien chiants pour... Oh putain, oh putain. Aïe, 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 ça passe. Il nous faut prendre des virages bien chiants. Genre celui-là. Là, regardez, il est paumé. Voilà, l'IA est paumé. Mais merde! Fonce, 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 fonce! 12 secondes! 10 secondes! On esquive le barrage devant là. Et voilà! Magnifique! Bah attends, j'ai semé des flics avec une voiture de moins de 200 chevaux dans toute une ville pendant 5 minutes. Ouais, non, en fait. Attends, c'est moi ou l'écran, il y a... Regardez l'écran dans la voiture. Est-ce qu'il bouge vraiment? Ouah, non. J'y pense, on n'a pas là une caméra d'intérieur. Non, les caméras d'intérieur dans les Need for Speed, ça se fait plus depuis 80... Donc bon, et ben maintenant, que se passe-t-il? Que se passe-t-il, s'il te plaît? On retourne au garage? On retourne au garage. J'espère que c'est par là. Hein. Oh, des flics. Oh, ils s'en foutent.
Je trouve que ça s'est plutôt bien passé, hein. Alors, info, pas info, quelque chose? Non? 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 Bon bah écoutez, le temps que ça se bouge un peu, je vous rappelle qu'il y a un succès qui nous demande de faire une voiture entièrement drift, me semble-t-il. Alors je ne sais pas du tout comment je vais me débrouiller pour ça. Alors attendez, entièrement drift? Alors entièrement drift, hop, hop. Vraiment, je sais pas. C'est ça qu'il faut faire. Ça me semble un peu suicidaire de faire ça, mais enfin. Ah. Voilà. Entièrement drift. Entièrement drift. Ça, ça ne change rien, on est d'accord. Non! Oh, c'est de la connerie. Stop! Non. Je ferai ça quand j'aurai un volant. Est-ce que ça compte comme une voiture entièrement drift maintenant? Salut, c'est Salut. Travis. Yeah. J'organise un truc mythique. Tout le monde, je dis bien tout le monde sera là. Crois-moi, tu peux vraiment pas rater ça. Ah bah voilà, j'ai le succès les gens. Bah écoute, je sais très bien de quelle épreuve tu parles. Cette épreuve se fera avec Blue. Et pour l'instant les gens, non. On va faire un truc. Hop. On va aller voir notre Blue. Hop. Alors attends, hop. Tac tac tac. Il a fait une voiture du Kim Uer, les gens, regardez-moi ça. Nous avons une magnifique Mazda RX-7. Kim Uer 9 fan. Donc voilà, il a fait ça. Écoute, je vais liker, hein, carrément, je vais même partager, je suis un fou. Alors attends, comment ça fonctionne sur ce machin la primitive qu'on appelle une console? En vitrine? Allez, carrément en vitrine, allez. Même pas, je peux pas. Je peux pas. Bon, bah écoute, bon, au pire dans le flux d'activité. Partagez ceci, voilà, carrément. Voilà. Même pas. Bon, très bien, merci Bill Gates. Encore une fois, c'est du très bon boulot, hein. Microsoft, ça tourne énormément. C'est un truc de fou. Un truc de fou, ça tourne à la perfection. Écoute, je vais même liker ça et partager, je peux pas. Franchement, c'est dégueulasse. Pourquoi tu peux pas partager en fait sur cette console? Que se passe-t-il? Pourquoi? Hein? Je ne peux pas partager. Désolé, nous ne pouvons pas partager ceci actuellement. On peut jamais rien faire actuellement avec vous. Donc voilà, une Mazda. Bon. Destiny, c'est un jeu de gay, mec. Destiny, c'est quoi comme jeu? Oh mon dieu, je viens d'avoir une nouvelle écharpe. Oh là là. Voilà ce que c'est Destiny. Il est où mon Need for Speed? Là. Hop. Et donc voilà. Donc vous avez vu, vite fait, hein, y a pas assez d'images, malheureusement, mais ce que donne la Mazda. La Mazda fan de Blue. En attendant. Oh bah tiens, une nouvelle activité. Oh bah génial. Le succès qui s'est mis sur Xbox. Qu'est-ce qu'on va faire pour le succès? On a un autre succès. Mais je sais pas si c'est possible. On va enlever ça. Hop, tu vas partir. Alors est-ce que je l'ai? C'est ça en fait. Tac tac tac. Ah non, je ne l'ai pas. Il faut peut-être que je termine le jeu, voyez-vous. Il faut peut-être terminer le jeu. Parce qu'il y a un succès, en fait, où il nous faut terminer une épreuve avec soit la voiture, enfin des épreuves, avec la voiture de Ken Block et aussi la voiture de Moro Ishii, me semble-t-il. Un truc comme ça. Alors attendez, je regarde vite fait. Devenir l'icône hors la loi. Devient licorne hors la loi. Mais je comprends pas. Il dit un truc énorme. J'espère que c'est pas. Vous savez quoi? On va voir. Un truc énorme. On va sortir la Mazda. On va y aller.
On va y aller, je regarde vite fait le temps sur l'enregistrement. Bon, ça devrait passer. Hop. Ça devrait passer. Il nous reste plus beaucoup de succès hein, sur Need for Speed, les gens. Quand je regarde vite fait, là, sur le second écran, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Sachant qu'il y en a une bonne partie qui vont se faire tout seul. Par contre, sortie du bloc, ça va être hard. Alors. Ah non, c'est bon, c'est une mission durant la loi. On va pouvoir stepper sans trop de risques. Hein. Comme ceci. En tout cas, la prochaine vidéo de Need for Speed sera concentrée sur le... Comment dire ça? Sur la réalisation de tous ces succès. Pop. La loi, c'est moi! Mais non! Eh, hey, c'est mon épisode 45, 46, 47. Je prends un truc par là, je crois. Oh, excellent. Allez, vas-y. Non, l'épisode 47, c'était Viper, me semble. La Viper. Ah, peut-être le 45, je ne sais plus. Donc alors, comment ça se passe? C'est un sprint. Faut se concentrer. Moment parfait, comme ça. Parfait, je vois que je suis pas le seul. Ah, dégage. Ah bah tiens, un défi quotidien. Ouh, ça sent mal. Oh, je suis pas dernier, déjà ça. Mais ça sent mauvais tout ça. Ça sent vraiment mauvais. Oh merde! Ah, je l'ai pas vu. Tu t'es trompé de route. Oh, tu peux pas. Oh non. Ah, putain, fais chier ces épreuves. Ah, fuck. Je déteste ces routes, je te jure. Ah. Les voies d'insertion américaines, quoi. Bon, par contre, faut semer les flics, là. Bon, par contre, on prendra pas cette voiture. Hein. C'est vraiment pas... Elle est vraiment pas faite pour ce genre d'épreuve. La bête. Wow, clairement, la Viper aussi, hein. Tu sais, la Viper, elle est là. Autant l'utiliser. Ah, mais je sais pas, la Viper, si elle peut gérer ça. Comment, je sais pas si la Viper... pourra gérer ça. On verra. Bah, de toute façon, faut aller changer de voiture. Hein. Non, Monsieur Trappé. Hop. Changeons de voiture, les gens. Ouais, la Viper. Je suis en train de réfléchir, mais. Ah, la Viper. Alors, attends, déjà. Rappel, ouais, la Viper. Je pense qu'on va vendre l'autre qui est au final. Ça a été une bonne extension. C'est un nouveau type de voiture dans Need for Speed. Je sais pas si c'est une première, mais ouais, je pense que dans Need for Speed, un Outroad. Ouais, les Outroads, c'est une première. Mais je m'en sers pas vraiment. Quoi. Voilà. En plus pour le peu de personnalisation qu'il y a sur le hot rod que j'ai pris. Après, peut-être que l'autre hot rod qui est disponible a plus d'améliorations.
Mais en tout cas, là... Voilà, bon, toi, je te vends. En tout cas, là, on va dire que je suis un peu déçu. Sinon, tac, je prends ça vite fait, histoire de préparer un autre... Enfin, dans une future vidéo, on a un défi, en fait. Ouh, le magnifique temps de chargement des textures. Eh bien, dis donc, Xbox One, ça va. On a, en fait, un succès qui nous demande de gagner une course avec la voiture dédiée. Donc, on fera ça. Et sinon, tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Malgré le fail de la fin, de la route, franchement, ça m'énerve ce genre de truc. Donc, pour la prochaine vidéo, eh ben, on deviendra je sais pas comment on peut dire. L'empereur hors la loi. Ah, je sais pas. Allez, plus tout le monde.